Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Icarus pour ce qui va être le dernier épisode pour le moment, puisque comme vous le savez, chaque week-end de bêta, on va retourner dessus, on va refaire justement quelques vidéos, voire une ou deux, on ne sait pas, hein, selon le contenu qu'il y aura. En tout cas, pour le moment, c'est la dernière pour ce week-end, étant donné qu'on a fait le tour du contenu intéressant. Donc je vous laisse avec les images, on a fait dans un premier temps de l'exploration au niveau de la map. Et dans un deuxième temps, du coup, on a farmé pour monter de level et pour justement débloquer des crafts pour tester un petit peu les différentes choses possibles. Pour le moment, je vous laisse donc profiter des images, les amis. Je peux Si ça pas arrive, tu ramener l'ours. m'embalances? Il est où le loup? Mais il y a un autre loup à la base? Aide-moi, tu peux pas? Attends, non, j'ai le début, c'est grave. Au secours! Non, mais moi je. Aïe! Porter? Je peux pas le porter, non. Je dépossède. Non mais. Je vais mourir? C'est bon. Il est où? Je l'ai il est sous l'eau et on peut pas le porter. Et tu peux pas le dépossède direct? Si, si, j'ai. Non, je disais, il est où? J'ai tué un loup, mais je. Ah, il est là. Ok, je suis vraiment aveugle. Regarde ce truc, il va très vite. Ah, regarde, il est là. Ah, mais il y en avait deux. Ah, mais oui, mais je suis en saignement. C'est long le saignement ou pas? Est-ce que je claque le bandage pour ça ou pas vraiment? Bandage. Ouais, je fais un bandage. Ok. Attention, ça coûte rien à craft, ce bandage. Oh, la tempête, elle fait quoi? Ah, mais j'ai pas de vie, d'accord. Ça y est, c'est fini en vrai. Heureusement qu'on voulait partir en explo. On va être bien pour l'explo là. Ouais. On est tous en PLS. Ouais, je te dis les. Lui, ça régène pas. Je sais pas, on peut aller tester. Je te dis les ah items non, mais par contre. J'attends ça. Les items, j'avoue que c'est bien quand chacun les a parce qu'effectivement on peut juste les réparer, du coup ça va. Mais par contre, j'avoue que pour les flèches ou ce genre de trucs, c'est un peu chiant. Je pense que je vais les débloquer au final. Ah, j'ai débloqué des flèches, excusez-moi. Ah non, il y en a plein là. Ok, tiens, si tu veux, t'en as 47. Ah, je veux bien. Merci. Le coffre tout à droite. Merci. C'est encore à chasser, ça permet d'XP en plus un peu et. C'est pas plus mal. Tac. On est pas mal on va en ressources. Hein. Ouais, faut pas. On est pas mal. Bah là niveau 5. Niveau 5. Niveau 5, je pense que je vais débloquer les construits en bois juste pour les voir. Je vais pas en faire, je vais juste faire un. Je vais faire un sol et un mur et on fera ça avec chaque tiers comme ça juste pour les voir à la limite. Et ça me laisse quand même des points pour autre chose. Et le talent, bah on va partir sur celui-là. Vous voulez qu'on aille explorer un peu là, du coup? Ouais, je fais juste une constru et let's go. Tant que le jour se lève. Il est doué là. Ouais, il se lève. Il est doué là. Ouais. C'est bon, j'ai fini mon craft de toute manière. Regardez. Hop. On va mettre dehors. Alors. Est-ce que. Ça veut dire qu'il faut que je transforme un truc? Non, je peux le mettre ailleurs. Pourquoi il se met. C'est un peu bizarre. Alors attends, est-ce qu'il y a. Je vais lire ce coup-ci à droite. Reset focus grid. And. Ah ben voilà. T'as vu, j'ai suivi tes conseils, Kelly, je lis. Et j'avoue que ça aide. Hein. Attends, c'est incroyable. Ok. Et celui-là, du coup. Tada! Le bois. Voilà le bois. Bon, c'est du bois quoi. En vrai, je trouve ça plus stylé comme on l'a. Ah, notre loup. Ouais, ouais. Vas-y, débrouillez-vous. Hein. Bon, on m'a laissé mourir tout à l'heure contre le loup. Et bah. Pas refaire un bandage direct ou pas là? Déjà, faut que je me soigne déjà. C'est le bon. Prenez des steaks, hein. Il y en a plusieurs déjà. Il me faut juste des fibres. Non mais les rentre pas dedans, c'est trop chiant. Dépasse le doigt. Mais t'as rien pour dépasser? Ah si. Ah, je te laisse hein. Vas-y bah go le dépasser, la mets à chauffer et on y va
On va explorer un petit ouais, peu. Ouais, vas-y. Ah, j'ai perdu mon couteau. Non, ben ça. Il y a tellement d'animaux en face. L'XP elle monte quand même toute seule, donc après je sais pas, j'ai pas fait gaffe si la chasse donnait plus qu'autre chose. Mais là il y a 5 trucs à tuer en face là. 6 avec un petit là. Après on va garder pour les ours et tout quand même. Je suis à la base encore, je suis à la base. Vous êtes où? À la base. Je suis à la base. Ok. Vas-y. Allez Noctas, on te suit. Oh c'est marrant, ok. Allez, on va aller voir la cascade. Je vais aller voir là-bas. J'avoue. Ouais c'est vrai, j'ai trouvé l'ours. Parfait. Ouais, c'était bien. Est-ce que ma torche va s'éteindre sous l'eau? Ouais. Aïe. Par contre, du coup, ça veut dire que la durée de la torche, c'est au nombre de coups et pas à l'utilisation avec le feu. J'ai l'impression. Je crois que les animaux ils vont vachement vite quand même. Hein. Ouais, Bambi il est bloqué en bas dans la cascade. T'as vraiment réussi à sauter là? Oh là. Mais. Ciao. Oh, je veux bien. Ouais, bah y'a une autre cascade là-bas. Celle-là pour l'escalader, ça va être un peu plus chaud. Où ça là-bas? Est-ce qu'on peut pas faire l'écart? Bah, si tu longes, remonter la cascade. Remonter la cascade. Ça marche. Ça en vrai, là on fait de l'explo. Une fois qu'on a fini l'explo, faudra essayer de pex au niveau 10 pour débloquer le tier 2 en fait. Après le tier 3 est bloqué, donc en fait dès qu'on aura vu le tier 2 et fait de l'explo, on aura fait le tour à peu près de la bêta actuelle. C'est ça. Ah c'est du copper. Okay. Ah ouais, c'est des ressources. Non, on verra, on a déjà ramené un peu de ressources en plus, donc... À voir s'il y a des ressources particulières, mais... J'ai pas l'impression ici. Il y a pas d'ours non plus, hein. Enfin, il n'y en a plus. Oui, par contre, c'est cool d'en avoir vu. Hein. Ah. Bon, d'un peu loin. Bon, Kelly, il a vu de plus près que nous. Ah, je suis. Non, je vous ai perdu. Bah, moi aussi. Ah, je suis en train de la cascade. Non, je suis pas de la cascade. Ouais, j'en vois un. J'ai joué. Qui c'est qui chasse là? C'est Kelly. Oh, le pauvre. Eh, hey, il y a aussi un cerf et un loup à côté là, dans l'eau. Ok. Tu sais que par contre, no fake, ça me fait vraiment de la peine de les tuer. Hein. Genre, ils sont trop petits, trop mignons, tu sais, genre. Ah, mais regarde tout ce qui arrive là! Mais what? Allez, Bambi! Encore! Mais mec, c'est n'importe quoi là par contre. Si vous voulez chasser dans le jeu, allez dans l'eau. Ah mais c'est trop simple. C'est un peu abusé par contre, je trouve. Non mais tout ce qu'il y a sous l'eau. En plus je casse pas les carcasses, hein. C'est bon les eaux, on en a beaucoup trop. Ça va tirer des loups, ils vont aller dans l'eau. Non en vrai je pense que... Quand il reste que les eaux, je pense pas que ça attire, c'est quand il y a encore de la viande, tu vois. Par contre, sinon les émaux quand ils sont pas dans l'eau, ils vont beaucoup trop vite. Hein. Bah en même temps, encore heureux quoi. Oui, mais en fait c'est pas... Genre ils se déplacent pas naturellement. Attendez, de l'oxyde en face de l'eau si jamais. En vrai si, ça va. Enfin je sais pas, moi j'ai pas vu de soucis là-dessus. Ah mais des fois j'en ai vu... Oh non. Oui, il va venir. J'ai peur. Oui, oui, bah je voulais pas qu'il meure en fait. Ouais, c'est ça. Vas-y, go récupère un peu là, il y a de l'oxyde à côté. Let's go. T'es où, Noctas? Dans l'eau là, okay. Derrière vous. J'ai plus de flèche. Oh, il est beau. Enfin, il est beau. Pas moi. Pourquoi moi? Laisse-moi.
Mais pourquoi tu pouvais revenir? Mais cours dans l'eau sinon. Je nage quoi du coup. Cours dans l'eau. Ça m'a fait 2000 XP de tuer l'ours. Si jamais. J'essaie de regarder justement ce qui fait de l'XP maintenant. Donc il y a de l'XP qui avance en passif de temps en temps. Il y a de l'XP partagé du coup de ce que font les autres. Donc l'ours. Et il m'a donné pour juste le déplacer. L'ours c'est 2000. Là le minerai c'est 90 XP. Et ramasser au sol des trucs, je crois que c'est 30 XP à peu près de farm. Je crois que c'est un truc comme ça, c'est ça. Tout ce qui est au sol c'est 30 XP. Donc le farm, en vrai les cailloux je pense c'est pas mal rentable. Et le bois, je crois que c'est situationnel. Je crois que c'est au après, moment où tu casses la deuxième fois. Attends. En fait, c'est finir un minerai ou un arbre. Ouais, 300 XP ah, quand les tu arbres, casses. C'est le même truc. Ouais, quand tu casses un arbre, c'est 300 XP, mais quand tu casses le bois, en fait, quand tu le transformes en bois vraiment, c'est 300 par truc. Du coup, je sais pas, en termes rapport qualité, enfin temps expérience, je sais pas ce qui est le plus rentable. Crafter, moi c'est un couteau en os. De quoi? Je me suis crafté un couteau en os. Ah oui, en os. Ah, j'avoue, il y a les trucs en os aussi, ouais. Attends, il y a quoi? Parmi le lourd, si vous en voulez. Pareil, il y a la lance en os. Ah, j'ai pas évolué la lance déjà de base. Mais j'avoue, en vrai, ça coûte pas grand chose, hein. Kelly, tu peux pas nous faire des lances en os, hein? Ouais, je suis niveau 5. Tu vas nous faire des lances en os là. Après, il y a des flèches en os. Allez, les flares par contre. Ah, en plus, je pourrais les faire parce que j'ai le soufre là, j'en ai farmé. Les flares en vrai, ça doit être trop bien ça pour se retrouver. Si on s'est perdu justement. Un ors du coup. Ça. Je pense que je vais les débloquer. J'ai débloqué les flares aussi. Pardon, quoi? Là, t'as je t'en passe, tu vois pas à tes pieds. À tes pieds. Mon côté en face de moi. Attends, je vois pas. Ah oui. Je savais pas ce que je cherchais déjà. Mes yeux avaient du mal à identifier le. Merci. J'avais oublié de ce que tu veux me donner. Oui, c'est ça le. Ok. Est-ce que. Oh, c'est bien comment il prend par contre. Et tu sais, ça c'est trop bien parce que du coup, même si on peut pas le crafter, on peut le réparer. Donc maintenant qu'on l'a. Attends, pourquoi c'est vert? T'as fait une flare. C'est une flèche flare? Ouais, regarde en haut. Ah, mec, ouais, je la vois. C'est propre, hein? Pour indiquer la position, mec, si on se perd, c'est trop bien. C'est pas dans Attack on Titan. Et regarde comment ça éclaire quand ça retombe là-bas, mec, c'est trop beau. Wouah, par contre, comment ça. C'est lumineux de ouf, mec, j'adore. J'adore. Et viens voir, attends, je regarde juste les stats. Melee damage, j'ai un peu plus. Skinning efficiency, on est à 150% au lieu de 100% sur le couteau en os. Et après le reste, en vrai, on s'en fout un peu. Mais 50% ouais, d'efficacité, c'est cool. T'as pu faire les lances, Kelly? Attends, je me soigne. J'ai dressé un lourd. Y'a quoi d'autre d'intéressant à débloquer au T1 du coup? Faire à rose, c'était plus marrant. Laser et bonne. Et du bois. J'en ai. Attends, t'es où? Tiens. Je dois avoir tout, je pense. Ok, j'aurai les coffres un peu plus gros, du coup, moi. Les heures. Ah, mais bonnes, bah, du coup, je les ai pas récupérées là-bas. Mais j'en ai 8, mais peut-être pas suffisant, je sais pas. Et du bois? T'as du bois? J'ai ouais, pas de bois. Tiens. Ah, bah, tu les vois bien en plus. Non, je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Mais attends. Ouais. Il te manque peut-être des os encore, je sais pas. Je t'en ai pas donné beaucoup. Ah, il manque des os. Bah attends, mais viens sous l'eau là-bas, il y en a plein. Il m'en faut 40. Enfin, à moins que tes carcasses aient disparu. Bah attends, il y a encore du passage, regarde. Attends, on va retuer des trucs. J'ai buté. Ouais, moi, j'ai les deux. Ok. On va déjà faire lui. Ah, j'ai pas vu combien il a donné le loup par contre. Ok, ciseaux plus. Tac. Tiens, des os. Je te mets sur le bord ici. Dès que je les trouve. Tiens, derrière toi.
On est 34, on choisit 6. T'as quoi, t'en as toujours pas assez là? J'en ai des os. Ok, tiens. Dans l'eau, Ouais, ok. Oh Bambi. Ouais, 500 XP lui. Tenez une lance. Tiens. La casse. Ouais, ça je trouve ça où. On va en faire une autre ou pas? Ah, tu me J'en ai 30 encore, désolé là. Bon, faut 40 par lance. Oui, bah je t'en balance 30. Ah! Alors, je vais traverser, je vais te les redonner. Attends, me dis pas qu'il a lancé sa lance en os et qu'il a perdu. Si, non, mais je l'ai lancé sur le truc là. Tiens. Il te reste pas des os un peu? Parce que là il y en a 30 donc il manque pas grand chose. Ah ouais, il manque 7. Il manque vraiment pas grand chose. Tiens, il y a le truc qui a dépecé. Ah. Ah bah voilà. Mais attends, mais tu peux pas le faire? Non. Non mais t'es le pire. Non, tiens Kelly. Un couteau. Non, tu peux dépecer. C'est bon, il y a regarde, alors c'est un meilleur couteau. Mais j'ai déjà un couteau en os. J'ai déjà filé. Je suis déjà filé. Tiens. Derrière toi, t'as les os. Fais-moi ma lance là. Je m'en fous, je vais récupérer celle dans l'eau. Ils sont où les os? Ils sont par terre à tes pieds, mec. Alors, voyons voir cette lance. 75 en projectile au lieu de 55. Et 40 en mêlée. Ok. Voyons voir. Tu peux tester la lance. Ah, elle est sympa en plus, elle est belle. Ah oui, j'avoue. Viens là. Oh, on l'a défoncé. Allez, c'est reparti. Oh là là, c'est ridicule la chasse comme ça, Baron. Par contre, c'est cool, au moins ça fait XP un peu. Au moins on se rapproche. Hop. Au moins on se rapproche du level 10. Petit à petit. Vas-y, on reprend l'explo, les gars. Vas-y, du coup, on va partir de l'autre côté. Ouais. On va par là. On va reprendre speed stack. Hop. Ah, oui, j'ai bientôt plus d'oxygène. Ouais. Bah, t'en as ramassé tout à l'heure. Quand j'ai dit d'en récupérer. Ouais. Bah, voilà. C'est bon. J'ai faim aussi. Bah en vrai, pendant que vous explorez, ramassez tout ce qu'il y a et en passant, tu sais, genre. Déjà, ça fera de l'XP en plus. Il y a du maïs, j'avais pas marqué. Ah, ouais, mais on peut pas le manger. Par contre, attends, il y a de l'oxyde ici, go le prendre à 3 au pire. Et... juste un peu derrière. J'enverrai bien une flare, mais j'en ai pas. Allez, tu vas ici. Allez, j'y vais. Donner des coups, oui. Ça, j'ai arrêté. Il rentre dans la zone non jouable. Et si tu rentres, t'as 10 secondes. Et si tu rentres, si tu sors pas, tu meurs. Non, mais Kelly, est-ce qu'il va genre collectionner les pires morts du jeu ou pas? T'es vraiment mort en sortant de la zone. Ah oui. Ah oui, mais on peut pas trop le faire. Ça va vite, hein. Attends, reviens vite. Comment on revient? C'est où? C'est vers moi. Ah, c'est où? Mais mec, en fait. Non, mais par contre, il devrait mettre une. Genre, je sais pas, une zone visible qu'on sache, parce que là, t'es en mode, attends, c'est par où que je reviens là des fois. Et ça va vite, hein, les petits secondes, ils font ouf, tu es. Ah. Mais du coup, Kelly, ouais, c'est mort en fait. Kelly, ouais, t'es inconscient. Oui, t'es inconscient. T'es rip. En fait, t'es inconscient, on peut te relever, comme quand t'étais sous l'arbre. T'es c'est mort. Ouais. Mais sinon. Mais là, il y a un souci, quoi. Mais sinon. Ouais, mais.
J'ai quand même un raton laveur dans mon inventaire. Sinon, faut que tu te suicides. Oui, non, mais des ratons laveurs, il y en a d'autres. Ouais, il y en a pas d'autres, c'était le seul. Oh, putain, par contre, elle est flèche en os. Violence. Deux flèches pour toi. Ah ouais, sympa. Ouais, deux flèches. Et en plus, tous les os qu'on a, en vrai, ça se snowball vite. Puis t'as des os en chassant, donc et tu chasses mieux avec. Donc c'est vrai que pour ça, la progression est quand même assez rapide, je trouve. En tout cas pour l'instant. Après, encore une fois, attention, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer d'ici la sortie du jeu. Hein. J'ai hâte de voir les vraies tempêtes, comment ça va être déjà, c'est marrant. Oui, parce que déjà les petites, bon, on les ressent un petit peu, mais alors des vraies tempêtes. Parce que là, c'est pas censé être des tempêtes en fait ce qu'on a là pour l'instant, donc. Les vraies tempêtes, c'est violent. Après, les vraies tempêtes, moi j'avais déjà vu un peu ce que ça donnait. Et bah, clairement, oui, ça te met le feu à la maison et tout, quoi. Et ouais. Après, ça part vite, hein. Ah, t'as un autre loup si tu veux. Ah, bah là, je suis en train de farmer. Le site. J'ai envie de monter de level aussi. Ah, j'en ai pas mal hein. J'ai pas mal de farm. Je suis niveau 7. Ma barre d'XP elle est rouge. C'est vrai. Ouais. Il y a un malus quand tu meurs. Je sais pas. Je peux avoir un bonus pour que vous consommiez moins d'oxygène si vous restez proche de moi. Ok, je vais te coller. Ah mais il est déjà là. J'ai entendu un mec arriver, je me suis dit c'est bizarre que ce soit Noctas qui fasse cette blague. C'est bon, j'ai mis. J'ai mis le bonus, tu consommeras moins, donc faut que tu me colles. Ouais. Y'a un l'ours. Hein? J'ai pas... On peut pas taper au point. Attends, mais pourquoi il est sur moi? Il t'a tué? Non. Je me suis enfui. Comment ça t'as enfui? T'es mort. Non, je suis pas mort. Ok. Par contre, il me faut de l'eau. Oh non, 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 c'est leur map. Non, c'est pas leur map. Si, je suis en hors map, mais voilà, mais c'est impossible de revenir après. Non, mais attends, mais il y a un problème pour revenir là. Non, mais attends, mais j'ai fait demi-tour là, non? Oh là là, mais. Oh, j'ai failli mourir. Hein. Par contre, là, je vais mourir par l'ours. C'est dommage. Y'a pas d'eau là dans cette map? Mais je suis encore en hors map! Je sais pas où tu es. Hors map. Ah, c'est pas du hors zone là. Je suis mort! Oh mec! Wait for a teammate, je suis inconscient! Vous avez pas vu les dégâts? Ouais, attends, je vais te sauver. T'es où? Tu peux regarder les autres quand t'es inconscient. Ouais, ouais, je vois Noctas. Non, mais par contre, le hors map il est horrible. Hein. On va déjà éviter de trop coller du coup les bordures ouais, du map. Ouais, j'ai lancé mon couteau. Mais vous voyez pas ma pierre tombale au pire? Attends, je ramasse mon couteau. Vous voyez pas ma pierre tombale sur la map? Bah, je vois une pierre, mais je pense que c'est peut-être la mienne. Je pense que c'est moi, hein, en bas à gauche, là. En 4-13, là. Ah ouais, mais j'avoue que... Attendez, mais... Ah, mais attendez. Là, j'ai zoomé un peu. En fait, on a déjà fait le tour de la map, hein, je crois. Parce que là... Vrai, sur moi. Là, si on regarde tout le tour, on voit qu'il y a des rochers, en fait. J'avoue que c'est pour ça qu'on arrive vite au hors-map, là. Il est où, l'ours? Il est loin. Tu peux me relever. Relève-moi, t'es où? Oh, comment c'est pas vrai? Si, si, à ta gauche, je te vois. Oui, là. À ta gauche. Arrête-toi. Là, oui, tout droit. Ah oui, ouais. Là. Attends, elle prend. T'es colle. Oh là là, merci beaucoup. Par contre, j'ai plus de vie. Ah, oh, c'était dommage, moi j'ai une lance. Il m'a volé ma lance. Non, c'est pas vrai. Il m'a volé ma lance en os. J'en avais une en bois, hein, si vous voulez. Mais je crois que je l'ai tué, l'ours, t'inquiète. Tellement pas. Attends, mais par où il faut aller? Attends. J'avoue que je me demandais où était le... Derrière toi, c'est le hors map. Oui, mais en fait, tu peux ouvrir ta map et j'avoue que c'est beaucoup plus simple une fois que t'es dans le hors map pour vite te rediriger. Mais non, il faudrait qu'il fasse un truc un peu plus... Tu vois, genre des... Ou une flèche au moins, quand t'es dans le hors map, en mode c'est par là c'est que tu dois aller. C'est tellement stylé ce que j'ai. Oui, mais en fait... T'as quoi? C'est Je peux voir les empreintes de pas et je peux quand je les examine, du coup j'ai un trait pour savoir où est la créature, l'animal, etc. Ah, avec tes tech. Avec tes talents. Ah, c'est un or. Oh bien! Avec tes talents de chasseur, t'as vu ça? Ouais. Oh non, je vais mourir. Mais je suis bloqué dans lui! J'étais en train de regarder les talents, je peux même plus regarder. J'ai loupé ma lance. Allez dans l'eau! Ah, mais vous êtes les deux là, ok, nice. Ah merde, je suis bloqué.
Noctas, relève-moi, à ta gauche, derrière toi. Non. Noctas, elle juste derrière toi. Ah ouais. Ça va, j'ai l'habitude. Attends, tu me vois ou pas? C'est de loot. Ah, mais tu me vois, parce que moi j'étais en mode, est-ce qu'on me voit vraiment? T'es où, Kelly? Allô, je nage. Alors du coup, donc c'est une zone un peu dangereuse ici, hein. Non, c'est pas vrai. C'est bon, elle est mort, l'ours. Ouais, il est mort. Mais j'avoue, on a déjà fait tout ça d'explos, j'ai même pas l'impression qu'on a fait tout ça. Et du coup, talent, c'est dans quoi? Hunting. Ah, c'est to trop detect, bien. Gains ability to track animal. Ah ouais, c'est stylé, hein. Franchement, c'est trop bien. Ouais, ça doit être stylé. Je te montre en... Je vois l'idée. Mais c'est cool de savoir qu'il y a ce genre de truc, ouais. Je pense que je vais me rediriger vers la base, hein, gentiment, et je vais essayer de... Merde, derrière toi, y'a un loup. J'ai vu un mec tomber. Oh non, ouais, un piranha. J'ai pas beaucoup de vie, faut que je fasse gaffe. Non mais je vais aller me heal à la base, c'est bon? T'as pu le relever? Ouais, ok. Go à la base en vrai, et on va essayer... Bah je pense qu'on va essayer d'XP jusqu'au niveau 10 pour tester un peu les techs... Pourquoi il me relève pas? Il les techs T2. On va tester les techs T2, il y aura quoi d'intéressant en T2? Et où? Après, pourquoi il y a des trucs niveau 20... Ah, je le voyais pas. T'as paru comme ça en mode... Bonjour. On testera niveau 10, on ira pas jusqu'au niveau 15, je pense que ça va être un peu long. Bah, après ça c'est pour la constru... Ah, du coup les prochaines constru, faut être niveau 15 pour tester, je pense pas que... On va full farmer l'XP juste pour tester ça. On va faire le début, je pense, ouais, tout ce qui est fournace, les outils améliorés, brasier, l'armor bench, on va voir, ouais, les premières armures par contre. Et même armure niveau 10, on pourra peut-être faire. Retour à la maison. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est pour... ok, c'est des trucs herbalisme, ok. Alors, il y a quoi par exemple? Il y a des buffs. Ah, ça augmente l'oxygène max qu'on peut avoir par exemple, ou ce genre de choses. Ok, il y a des. Ouais, il y a des potions sympas. Des stimulants. Des régènes. C'est quoi la différence là? Attends, je vais rentrer à la base avant. Mais il y a des régènes de vie et tout aussi dans les potions, il y a des trucs qui peuvent être intéressants effectivement quand on fait des sorties comme ça et qu'on commence à prendre cher. Parce que la régène avec la nourriture, bon, c'est un petit peu long. J'avoue que ça peut être sympa, je vais essayer avec le lit, tiens, pour voir. Après on est quand même assez large au niveau des points pour débloquer des trucs. Ouais, au final franchement ça va. Au niveau des structures, c'est large. Hein. Là j'ai 12 points en rab, bon je vais les garder jusqu'au niveau 10 du coup, parce que là je vais essayer de débloquer un max de trucs dans le T2. Mais en réalité ouais ça va. Ça va, ça va. Oh, les beaux coffres. Ça va être plus intéressant avec ça. Hein. C'est quoi, c'est le double? C'est les... Ouais, c'est le double en place. Ouais, c'est pour ça. Hein. Je pense qu'on va faire un petit transfert, moi. C'est ça. Mais c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Bah je coupe un arbre et là il me propulse loin. Ah. J'ai tellement tout mis, genre je me suis vidé dans un coffre. Mais vraiment. T'inquiète, hein. Hop. Oh, bah, je me dis, c'est pour tester. Quelqu'un peut venir me raise? Kevin. Vas-y, t'es mort où, du coup? À côté d'une souche d'arbre. Oui. Vraiment, les indications. Ah, oui, je te vois. Il y en a une devant la base. Par contre, j'avoue que, bah, du coup, si on garde. Ah, je sais pas. Si on garde la partie, par contre, ce serait intéressant justement pour tester les prochaines mises à jour, tu sais, sans avoir à tout refaire, ce serait cool. C'est ça. Bon bah, go XP en fait, hein. C'est ce qu'il nous reste à faire, les gars. Go passer à niveau 10, on teste les crafts et. Je pense que ça s'arrêtera là pour cette bêta.
Ouais, mais go farmer côte à côte. Et comme ça, la stone c'est long à farmer. Et si on farme côte à côte, on prend l'XP partagé et let's go. Hein. Ouais, tu parles où aller, hop. Attends, on peut pas faire des meilleurs outils? Ah, mais non, c'est que niveau 10 justement. Parce que ça doit faire XP plus vite. Attends, moi je veux voir si c'est comme dans Ark et si les constructions, tu sais, ça donne pas mal d'XP ou pas. Déjà voir l'XP de craft. Non, 23. Bon, remarque, tu formes pas mal, tu en lances plein. On va voir celle-là. 32. 32, c'est des fibres et ça, j'avoue que t'en formes plein. Tu lances des crafts pendant que tu farmes, c'est quand même rentable. Ouais, ça peut se faire. Ça peut optimiser le temps comme ça quand même. Le level 10, oui, le level 10. Allez. Donc déjà la crafting... Ah oui, non, ça l'a pas débloqué, ça a juste débloqué le fait qu'on puisse la prendre. Donc ça, c'est ok. Donc ça y est, il y a les gourdes. Les gourdes, elles sont là en fait. Bon, je vais pas les débloquer, mais c'est cool de savoir. Ah, j'avoue, il y a tout ce qui est gunpow et tout, ça va se faire avec le mortier aussi. Il y a les bouteilles d'oxygène aussi. Ah oui. Ah oui, bien vu, oui. Ok. Il y a les torches murales, ça y est aussi. C'est bien ça. D'ailleurs, il y a le oxyde dissolver. Ouais. Donc c'est plus efficace apparemment que notre truc d'oxyde qu'on a actuellement. C'est ça. Ah, et du coup la fournaise, on va pouvoir faire fondre du coup les lingots pour les outils. Il y a un réservoir d'eau directement. Bon, pour l'instant on n'a pas de souci d'eau, mais c'est vrai que ça pourrait être utile plus tard. Ok, qui débloque quoi? Je vais débloquer l'armure à la limite, moi, tiens, déjà. Je peux l'armure, t'as pris quoi du coup, c'est où l'armure? Je prends armor bench et je vais prendre toutes armor les armures là qu'il y a derrière, toutes celles que je peux. Et déjà, il me reste plus beaucoup de points. Hein. Oh, il y a un longbow, j'avais pas vu. Oh, je prends le longbow direct aussi. Ah, je prends le longbow, mon pote. Ça plus les flèches en os, mais les dégâts que tu dois faire. Attends, mais je veux tester. Je veux tester de suite. Alors, je vais essayer de faire des armures et ça. Ça se fait sur soi ou... Bah non, à la crafting bench, bien évidemment. Suis-je bête? Crafting bench. Il manque vraiment du bois après tout ce que j'ai farmé. Y a du, ah. Tu peux prendre dans les escaliers. Ah mais oui, c'est vrai qu'on peut prendre les bouts de paille là. Alors, est-ce que tu veux que je prenne les outils, moi, en fer? Oui, j'aimerais beaucoup. Stone fournaise. Et même les fournaises et tout, si tu peux. J'ai pris la fournaise, déjà, stone fournaise. Et je vais prendre les outils. Ok. Ok, j'ai pris tous les outils, j'ai pris la fournaise. Et ben, let's go. Je prends le water skin aussi. J'ai crafté la... Ah mince, j'ai mis devant là, bon c'est pas grave. J'ai crafté la crafting bench. Qui est très okay, stylée nice. Avec les pots dessus et tout. Vraiment très classe. Ouais. On va faire... Ah, alors attends, comment ça marche? Quoi? Faut ta pierre. Ah c'est... Ah oui, longbow. Ah. Je vais jeter les trucs, moi. Ok. Attends, mais l'armure du coup elle se fait pas là? Ah non, c'est armor bench, bah oui. Ah, et ça reste dans l'inventaire quand tu le fais. C'est comme le smithy sur arc. On va déjà tester l'arc. L'armure là. Je vais prendre un peu de bois, je vais vous faire deux arcs également. Est-ce que ça fait tomber les autres piles? Ouais. Heureusement qu'on a beaucoup de bois. Ça a supprimé tout le bois, ce que j'ai fait. Comme ça. Supprimer. Supprimer, réellement supprimer. Ah, c'est. Il y a deux longbows, les gars. Ah, il y a deux longbows. Intelligent. On passe. Alors, déjà, les flèches normales. Il est... Attends, mais j'ai plus de flèches en os, vraiment. Ça ne va plus, ça ne va plus. Ah, ouais, mais là, je n'ai vraiment plus beaucoup. Hein. Les flèches en os, on prend 20 déjà de dégâts. Et avec les arcs. Oh, mais il y a trop de stats. Juste, voyons voir juste les dégâts. Il n'y a pas de dégâts? Projectile damage plus 25%. Oui, bah voilà, bah il n'y en avait pas sur l'autre. Donc déjà, on prend 25% aussi là-dessus. Plus d'autres stats en mode. Le fait que ça tombe moins et tout ça, j'imagine. Alors, voyons voir. On va prendre. Bon arrow.
Faut que je shoote un truc là, juste une flèche à mon avis ça doit être déjà violent. Le poisson. Attends, je vais partir là-bas faire. Oh, attends, c'est pas un ours que j'entends? Y a pas des panneaux? On peut mettre des panneaux? Ah bah y a des trucs, je sais pas. Parce que les coffres, bon, y a pas d'indication. Après, il faudrait pas que je lui mette une tête ni un truc qui one shot en fait si je veux vraiment tester. Au pire, je tire sur. Ouais, non, c'est. Je peux faire sur un gros là-bas. Faut pas que je le one shot là, faut pas faire une. Enfin. Faut même pas que je fasse une tête en fait dans l'idéal. Faut vraiment que je vise le corps. Pourquoi il a eu peur lui? Ah, y a un loup au pire, ça peut être bien le loup. Je te tiens. Le loup. Je tire sur le corps pour voir les dégâts que ça fait. Ouais c'est ça, c'est que je vais à tout prix tirer sur le corps pour tester. 62 dégâts vraiment dans le corps. Hein. C'est pas dégueu genre. Double dégâts des dégâts que de base. Ok, pas dégueu, pas dégueu. On va dépecer. C'est chiant, des fois ça bug le take all. Je vais reprendre quelques os parce que mine de rien, ça commence à partir là. Ok, du coup, les armures. On va aller faire les armures. Tu t'occupes des outils là du coup? Faut en la métal déjà. Oui. Voyons voir, ça ressemble à quoi ça? Fournace. Tu mets juste là, dedans et ça tombe direct le... hein. Ouais, tu mets dedans et ça... ça... Ok, bon basique. Ok. Je cherchais parce que j'avais laissé beaucoup de ressources derrière. Tac. Alors les armures. Ça c'est que des fibres, ça va vite se faire. Ça c'est fibre liseur, ça va se faire très vite aussi. Est-ce qu'on en a en rab? Tac. Il y a un loup à la base je crois. Tu veux le tuer pour XP, Kelly? Alors. Attends, mais quoi? Le loup... Il arrache la base en fait, là, surtout. C'est trop chiant en fait de près. L'artisan. Ça a été de reculer en fait. Saignement. Je vais faire une armure standard nulle là. En faire qu'une et après je vais vous faire des armures des vraies à tout le monde. Hop. 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 Est-ce qu'on voit les stats direct? On les voit pas hein. 3. Ah ça reste à 3, trop bien. Ah ça c'est bien de pas avoir cliqué à chaque fois sur 3. Ok. J'ai fait. Moi j'ai pas de couteau. Oh, c'est gourmand. Oh. Ok, on va suiter un peu. Alors voyons voir, j'ai le close, il me manque ce truc là, ce truc là. Ok, déjà j'ai fait 3 pioches en fer. Ok, comment on s'équipe? Elle est où l'armure du coup? Bah à droite. Bah je pense en... dans l'inventaire. Ah oui, je suis pas dans l'inventaire, ok. Et bah. Ouais j'étais dans les crafts en fait, c'est pour ça que je la voyais pas. Ok, voilà à quoi ressemble l'armure de base là. T'es à toi Noctas. Ça va, elle est pas mal, j'aime bien. Ça fait un peu rôdeur. Ouais, je vais vous faire l'armure supérieure à vous deux.
Je vais me la faire aussi. Incroyable. Ça fait rôdeur. Je vais comparer les stats après avec les deux. Je sais pas où j'en suis d'ailleurs au niveau des crafts. Attendez. Les chapeaux, c'est bon. Le dessous, c'est bon. Ah, il manque les gants en fait. J'ai pas lancé les gants. Ok. Vous avez la full armor là qui se fait. Et qui est prête. Ça va, un couteau en os. Alors oui, on voit la différence, résistance physique, on a un peu plus. Est-ce que c'est pour le code ? T'as les outils en fer si tu veux. Ah, attention, elle est mieux en tout, celle en liseur, par rapport au close, sauf que pour la chaleur, c'est moins ouf. En fait, c'est un peu à l'arc, hein. Les stats, c'est un peu le même délire. Ah, par contre, il y a un délire de 7. Si on a les 5 sur 5 en armure, on a des bonus supplémentaires. Style mouvement speed, des trucs de régène et tout ça. C'est stylé. Et là, le 7 de liseur, c'est la consommation en moins. On a une régène passive de vie avec le 7 liseur. Peut-être le liseur est peut-être mieux, du coup, peut-être bien. Oui, de toute façon, le liseur est censé être mieux, hein, je pense. Allez, je vais l'équiper. Ah, ok. J'ai des petits freeze là. Ah, moi aussi. Ouais, moi aussi. En même temps, avec tous les arbres qu'on a coupés et qu'on a laissés par terre, je pense que c'est pas un bon bail aussi pour des parties, sachant qu'on héberge entre nous ou que c'est pas un serveur. J'entends pas ce que tu dis. J'entends pas de quoi tu parles. Ok, j'ai les 5 là, ça y est. Ouais, l'armure. Ça fait plus armure celle-là déjà, ouais. Elle est sympa aussi. Elle est sympa aussi, ça va. Vas-y. 31. T'étais avec quoi là, le longbow et quelle flèche? Ouais, des flèches en pierre. Ok. Ah, arrête, hein, c'est bon, on a déjà fait le test. Hein. Tu m'avais dit que. Noctas, tu m'avais dit que tu m'avais mis un truc quelque part? Ouais, dans le. Workbench, il y a des outils en fer. Ah. Ok. Yes. Ah, du coup, il me reste encore des points. Qu'est-ce que je peux prendre? Bah du coup moi j'ai fait mon côté, toi aussi avec ça. Ouais, je crois qu'on va arriver à la fin. Hein. Je vais tester les outils vite fait. Ça je peux pas encore, mais je pense ça. L'XP reste la même, mais sauf que oui, en gros, tu l'as fait plus vite pour casser quoi. Ah, c'est ça. Et je pense qu'il doit y avoir plus de dura aussi, tu vois. Je pense aussi. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bah écoute, ouais, je crois qu'on a fait un bon petit tour hein, pour le coup. Ouais. T'avais un marteau, Kelly, ou pas? C'était pas toi qui avais. Non. C'était pour réparer la porte, là. Enfin, ce que le loup avait cassé. Après, je me demande, en fait, par contre, ça sert à quoi de débloquer le truc des carcasses, en fait, puisqu'on peut déjà dépecer et tout. Et là, justement. Bah, de ce que j'ai compris, c'est que si tu ramènes dans la table la carcasse, ça te récupère plus de ressources. Ah, tu la dépeces sur la table directement et... Ok. Tu veux que j'essaie? Viens, vas-y, on va essayer de chasser un truc. Ouais, je vais crafter la table maintenant. Ouais, je vais essayer de te ramener quelque chose. Tu viens, Kelly, on cherche des trucs? Ouais, contre, je suis ouais, des trucs là. Ça va être le moment de redémarrer effectivement parce que ça commence à avoir des petits freezes de temps en temps. Ouais. Je ne pas avoir un serveur ouais. Dédié pour ça. Ouais, puis ça fait un moment qu'on y est dessus en plus. Ok, c'est bon, j'ai tué un truc. Hop, attention de pas le dépecer. J'arrive. T'as ce qu'il faut pour la table? C'est bon, il est crafté, posé. Ok.
Il y avait des loups, attends, bon, j'ai pas vu. Ah oui. Juste devant, il y avait des cadavres en fait. J'avoue. Enfin... J'avoue. Elle est là, la table. Ouais. Ok, ouais, c'est ça. Press to place. Attends. Attends, quoi? Attends, mais il faut faire quoi là du coup? Press to interact. Ah oui, on la voit là, attends. Dire carcasse. Attends, mais comment ça marche du coup? Mec, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, mais il faut avoir débloqué le craft, y'a que toi qui peux le faire peut-être, non? Ouais, je pense que oui. Dedans, t'as un craft, toi du coup, non? Noctas? Ouais, okay. J'ai un craft. Tu dois avoir le craft à gauche, ouais, et toi. Je dépossède, et voilà. Et ça va donner beaucoup plus, ouais, sûrement. Et voilà, ça donne 5 ombres, ça pourrait pas un bambi. Ouais, ça donne un peu plus de ressources quand même. Parce que là, ouais, on en a 12, avant on avait peut-être 6 ou 5 à chaque fois. Ok, ouais. Bon, bah c'est. C'est bon à savoir, écoute. Ouais. Bon bah je pense qu'on a fait un bon petit tour là maintenant. Sur ces... Ouais, 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 ouais. Allez les amis, on va donc s'arrêter là-dessus pour ces petites vidéos, j'ai envie de dire, du week-end sur le jeu, sachant qu'on retournera encore une fois dessus lors de la prochaine phase de bêta qui évoluera un petit peu. Donc c'est... D'ailleurs, je sais plus la date, mais je crois que c'est tous les 2 week-ends, hein, grosso modo, un truc comme ça. Et bah, pour le coup, là, c'était assez cool. On a fait pas mal le tour du jeu, de ce qu'il propose actuellement. Il y a des petits bugs, hein, quand même, qu'on a croisés. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage quand on les a. Mais malgré tout, pour une phase de bêta... Il n'y en a pas tant que ça, et franchement, le jeu est très propre, il est très prometteur, vraiment. Tout ce qui est fait, c'est vraiment détaillé, c'est vraiment super, moi j'adore. À côté de ça, ce qu'il faut savoir également, c'est que on aurait pu effectivement faire un peu plus de choses si on avait voulu XP jusqu'au niveau 15 par exemple, ou niveau 20 même, il y avait encore des crafts. Mais le jeu n'est pas vraiment pensé pour ça. En théorie, on est censé XP avec le temps. Ça se fait sur la durée. Et là, en l'occurrence, le fait de juste vouloir farmer l'XP pour farmer des levels pour quelques crafts, c'est quand même très long. Et les crafts qui restent sont pas forcément les plus intéressants. Donc, on a décidé qu'on allait s'arrêter là pour le moment, pour ce week-end. Sachant que si on peut conserver nos persos, l'avantage, c'est que on a déjà pris justement pas mal de levels. Les suivants seront du coup moins laborieux à farmer puisque bah, ce sera une nouvelle session de jeu, etc. Donc ce sera plus sympa comme ça. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'attends avec impatience les nouveautés sur ce jeu. Encore une fois, un jeu que je vais suivre de très près et vivement la sortie officielle parce que vraiment, je pense qu'on va bien s'amuser là-dessus. Allez, merci à tous les amis. À très bientôt.